En embarquant, les moussaillons se sont fixés un cap, laissés à terre les tourments du quotidien. Anaïk, Nicolas, Anouchka ou Nolwenn sont malheureusement plus habitués à fréquenter les couloirs des hôpitaux que le pont d'un bateau. Mais aujourd'hui, à la barre du canot SNSM de Dierne, Tiffen, 12 ans, sent souffler un vent de liberté. Je suis émerveillée. C'est mieux en mer parce que ça, c'est vaste. On peut se perdre dans nos pensées et tout ça. Oublier la maladie et goûter l'euphorie de la découverte avant même d'avoir mis un pied à bord. Tu sais, quand Marie-France nous téléphone, oui. On a hâte. Oui. Alors comment tu décrirais ça? Ben, j'y pense tous les jours après. Je suis pas qu'un numéro, je suis pas qu'une maladie, je suis aussi une personne. Et puis moi, je trouve que déjà la mer, c'est apaisant. Et je trouve que ça permet de voir vers l'avenir, en fait, parce que c'est un peu voir au large, en fait. Redonner du sens à la vie, c'est l'objectif de la toute jeune association Un enfant, un avenir, qui a sollicité la SNSM pour sortir ces jeunes de l'enfermement et leur offrir un nouvel horizon. Souvent, ils ont des projets. Hein, moi, je veux être prof de gym, moi, je veux être pompier, je veux être ceci. Mais quand on leur dit, tu as une maladie grave, tu vas avoir, par exemple, de la chimio pendant des mois, peut-être même voire des années, ils n'ont plus de projet. Ils s'enferment sur eux-mêmes. Donc, le fait de leur donner des projets leur permet de s'ouvrir vers l'avenir. C'est ça que je veux. Bah, c'était splendide, en fait, et j'espère que ça va se reproduire. Sur le chemin du retour, les enfants ont des paillettes plein les mirettes et les adultes, les yeux qui brillent. La journée restera gravée dans les mémoires.